Monsieur le Président et très cher ami, toujours honoré de ton invitation, ton amitié et de ce que tu as fait. Merci beaucoup, professeur Cheraibi, de nous accueillir toujours à la faculté. Et ce que font les endocrinologues au Maroc, merci infiniment, ainsi que les médecins généralistes de ce pays, pour la lutte contre le diabète, le surpoids, l'obésité et les autres facteurs de risque. Je vais simplement revenir sur le fait que le Maroc est en pleine transition. Je vous rappellerai des points essentiels. Je ne parlerai pas uniquement sur le plan démographique, épidémiologique, nutritionnel, socio-économique, avec la refonte du système de santé. Tout cela va impacter, on va le voir, le parcours de soins du diabétique et également du sujet obèse et ce que ça coûte à notre pays. J'aimerais quand même rappeler que depuis l'indépendance, le Maroc a gagné 31 ans d'espérance de vie. C'est extrêmement important, donc 31 ans d'espérance de vie, nous avons amélioré beaucoup d'indicateurs, la santé de la mère et de l'enfant, mais malheureusement les maladies chroniques progressent, et en particulier, mes amis endocrinos le savent, en particulier le diabète, le surpoids et l'obésité. Je rappelle que 80% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles aujourd'hui, parmi lesquelles le diabète revient de façon importante, les maladies cardiovasculaires, les infections rénales et les cancers. Et j'aimerais uniquement rappeler les dernières enquêtes, et surtout celle de Stepwise dans le contexte marocain. Beaucoup de nos collègues ce matin ont parlé de Stepwise. Nous aussi au Maroc, ça a été fait. Et je vous rappelle que quand même, 53% des adultes marocains sont obèses ou en surpoids, à peu près donc 20%, c'est-à-dire un Marocain sur 5 est obèse. Alors, quelles sont les autres données? Qu'est-ce qui se passe au Maroc par rapport à des données épidémiologiques? Regardez donc les données par rapport aux femmes enceintes et tout ce qui concerne donc l'anémie, on est quand même encore à 32%. La prévalence donc de la malnutrition reste encore présente, donc 6,30%. La prévalence également d'un certain nombre donc d'affections, et particulièrement la malnutrition sévère chez l'enfant, 2,6% dans le contexte marocain. Et également, ce qui est extrêmement important quand même, que je voudrais vous signaler, c'est qu'à peu près donc 19% n'ont pas encore accès à une nutrition qui est totalement équilibrée dans le contexte marocain. Il faut quand même rappeler des données qui sont importantes de l'enquête Stepwise. Vous connaissez tous l'enquête Stepwise, mais j'ai tiré des points intéressants que nous devons tous étudier dans le contexte marocain, mais également dans le contexte africain. Et vous allez voir quel est le pourcentage donc des personnes qui, par exemple, consomment moins de 5 fruits et légumes. Et regardez l'ensemble, c'est quand même 76% de la population pour un pays où les fruits et les légumes sont quand même présents de façon importante, de Tanger à Al-Gouira, et pourtant 76% ne consomment pas 5 fruits et légumes. Et pire, ce qui est intéressant d'étudier, mes amis, c'est qu'en milieu rural, c'est quand même pire qu'en milieu urbain, alors qu'en milieu rural, on est censé avoir plus donc de fruits et de légumes. Ce sont des chiffres qui doivent nous laisser réfléchir. Également, le pourcentage de personnes qui vérifient la quantité de sel dans les aliments qu'ils achètent. Regardez, le sel est un problème de santé publique. Mon ami Hassan Agnaou et mon ami Oustad Belkhadir en parlent très souvent avec Si Ibrahimi, Mustafa Ibrahimi au Parlement, Hichem Berri, Fatima Gouima également. Et regardez le pourcentage qui vérifie la quantité. À l'échelle nationale, à peine 14%. Donc, quasiment 86% des Marocains ne regardent absolument pas leur consommation en sel, qui devrait être, je vous le rappelle, de 5 grammes, alors qu'en moyenne, chez les Marocains, elle est entre 8 et 10 grammes. Également, le mode de vie. Alors, c'est très intéressant de regarder le mode de vie, parce que ça impacte le diabète et ça impacte l'obésité. Regardez le rôle des professionnels de santé. Et j'insiste dans ce congrès, je remercie le professeur Belkhadir, de faire en sorte que les professionnels de santé que nous sommes, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, tous les professionnels de santé, donnent suffisamment de conseils aux patients. Et regardez, il y a à peine un tiers des professionnels de santé qui donnent le conseil aux patients en matière d'éducation thérapeutique pour le diabète, d'éducation pour la santé, d'éducation pour le surpoids et l'obésité et l'alimentation saine. Seulement 30%, nous avons un rôle important à jouer, que nous soyons endocrinos, médecins généralistes ou simplement professionnels donc de santé non médecins. Regardez également en matière de mode de vie, nous savons que l'activité physique est liée également donc au diabète, elle est liée au surpoids et à l'obésité.
Tous nos professeurs à la faculté de médecine, les endocrinos qui nous ont enseigné, n'ont jamais dit que le premier traitement du diabétique, c'est un traitement médicamenteux insuline. Ils ont toujours parlé de cascade thérapeutique et ils ont toujours parlé du mode de vie, c'est-à-dire de l'hygiène, de l'activité physique et de la nutrition. Jusqu'à aujourd'hui, on traite les diabétiques, mais en même temps, hygiène de vie. Et regardez, c'est important, les personnes qui ont une activité physique de 150 minutes par semaine, c'est quand même dramatique dans un pays comme le Maroc, où quasiment 8 personnes sur 10 ne pratiquent pas une activité physique régulière selon les normes donc de l'OMS, à savoir 150 minutes d'activité aérobie par semaine. Regardez, ça, vous connaissez donc ces chiffres sur le surpoids et l'obésité, mais j'ai entouré deux choses importantes qui est le côté féminin. Nous devons travailler le maximum avec les femmes marocaines et les femmes africaines, encore une fois en matière d'éducation pour la santé, mais regardez également l'urbain par rapport au rural, où nous avons quasiment 50% donc de plus de prévalence en milieu urbain qu'en milieu rural. Et ça, c'est un enjeu en matière de messages à donner sur le plan de l'éducation pour la santé. Également, l'hyperglycémie, que vous connaissez très bien, mes amis endocrinos, médecins généralistes. Et ce que je voudrais entourer avec vous, c'est la proportion de personnes n'ayant jamais mesuré leur glycémie. Qui est le plus mauvais, les hommes ou les femmes? Eh bien, vous avez gagné, c'est les hommes qui sont mauvais. Les hommes sont plus mauvais que les femmes, regardez, en matière de contrôle donc de leur glycémie. Les femmes sont un peu plus disciplinées que les hommes. Et sur le plan national, regardez, ce sont quand même des chiffres qui sont assez importants, qui sont de 63%. Également, comme autre donnée épidémiologique intéressante, ce sont les facteurs de risque. C'est-à-dire, il ne faut pas parler uniquement de diabète ou d'obésité, il faut parler également des facteurs de risque. Et regardez sur les personnes avec 3 facteurs de risque ou plus, c'est quand même 23% donc de la population. Et là aussi, les femmes plus que les hommes et le milieu urbain plus que le milieu rural. Tous ces chiffres, vous les connaissez, ce sont les chiffres de Stepwise, mais j'insiste sur des choses importantes. Regardez la progression, 50% donc de progression entre les deux enquêtes chez les hommes et chez les femmes. Mais attention, le sexe ratio femme-homme, il est de 2,6. Ça veut dire que le risque est plus chez les femmes que chez les hommes. Dans cette slide également, c'est important, regardez l'obésité, elle a progressé de 60%, mais regardez si vous comparez... Bon, c'est bien de me donner un micro, mais s'il va siffler, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Et la progression de l'obésité a été de 60%, mais il faut s'intéresser également à la progression du rural de 65% et donc d'urbain. Donc ça aussi, c'est intéressant à l'étudier en matière de nos messages. Il faut qu'on ait des messages ciblés. D'ailleurs, de plus en plus, les endocrinos nous disent la prise en charge du diabétique doit être hyper personnalisée. C'est plus une prise en charge donc qui est totalement standardisée. Regardez également ici, par rapport à l'hyperglycémie, les femmes ont progressé de 95% et les hommes ont progressé de 30%, ce qui nous donne une progression de 62%. Donc il faut analyser ces chiffres avec l'intelligence nécessaire. Et la même chose, le milieu rural, regardez, il a progressé de 95%, beaucoup plus qu'au milieu urbain. Alors sur le plan des tendances nutritionnelles, ça c'était sur le diabète et sur l'obésité, où est-ce qu'on en est dans le contexte marocain? Sur le plan nutritionnel, on n'a pas été très bon. On est passé de ce qui est traditionnel, qui est bien, qui est la bonne nourriture classique, le régime méditerranéen que nous connaissons, à un régime qui est beaucoup plus, malheureusement, lié à notre mode de vie qui a changé. Et regardez, je pense que ce sont des données que connaissent très bien professeur Belkhadir et Hassan Agna et toute l'équipe qui ont travaillé. C'est le sucre au Maroc, la consommation, qui est réellement trop élevée, et également celle du sel, qui est réellement trop élevé, alors que c'est 5 grammes au lieu de 10 et c'est 25 grammes au lieu donc de 92. Alors, est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites au Maroc? Bien sûr, le Maroc a fait des choses très importantes pour la santé de la mère et de l'enfant, et tous nos collègues, les pédiatres, les médecins généralistes, les endocrinos, différents spécialistes, il ne faut pas oublier les infirmiers et les infirmières qui jouent également un rôle extrêmement important. Eh bien, il y a quand même des données qui doivent nous faire réfléchir, et ça, ce sont des enquêtes qui ont été faites par plusieurs chercheurs marocains, et en particulier l'équipe de Hassan Agnaou. Eh bien, regardez sur l'allaitement, c'est assez intéressant de voir que quand même 70%, oui, mais 26,5% seulement d'allaitement exclusif. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Vous le savez que c'est, je ne vais pas vous dire que l'allaitement, c'est le meilleur nutriment, on le sait.
Et ça, c'est un enjeu encore pour nous. De la même manière, c'est une très belle étude qui a été publiée en 2024 dans le contexte marocain et qui a montré que quand même, et je pense que nos amis diabétologues doivent nous aider à réfléchir à ça et avec la formation des médecins généralistes, c'est quand même 76,8% de certains diabétiques ne sont pas contrôlés et ça, c'est un enjeu majeur. Donc ce n'est pas le problème du médecin ou de la compétence du médecin ou de la prescription du médecin, c'est notre capacité à être observant des recommandations du médecin. Cette étude également au Maroc qui a été publiée tout récemment montre que l'obésité, dans une étude marocaine avec donc une population marocaine, 2,34 fois plus de risques de diabète dans le contexte marocain. Autre chose qui est très intéressante, qui a un meilleur comportement alimentaire diététique, eh bien, on le voit, regardez le odds ratio, le 1,81, les femmes ont un meilleur comportement. Donc, travaillons sur les femmes qui vont, elles, éduquer les enfants, éduquer la famille, jouer un rôle important, parce qu'elles ont un meilleur comportement alimentaire que les hommes. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Oui, grâce aux endocrinologues, énormément de choses ont été faites sur la prise en charge des diabétiques, les conférences nationales donc, de consensus qui ont été faites. Pourquoi que c'est important? Parce que pour convaincre les politiques, mes amis, il y a un seul moyen, il n'y en a pas 36. C'est monnaie, c'est l'argent. Il faut expliquer aux politiques que le diabète nous coûte très très cher. C'est 24 milliards de dirhams en frais directs. Et je vous rappelle que dans le diabète, les frais indirects coûtent 65% et les frais directs 35%. Donc c'est énorme. Et je vous rappelle que le budget du ministère de la Santé est de 30 milliards de dirhams. Donc regardez si déjà le diabète seul consomme les deux tiers du budget du ministère de la Santé, c'est un enjeu. Est-ce que le Maroc s'est inscrit dans les ODD et dans au cœur du programme 2030? Oui, le Maroc fait des choses. Il y a le programme national de nutrition auquel beaucoup de gens présents dans cette salle contribuent donc de façon importante. Nous avons également avec plusieurs amis, dont le professeur Belkhadir que je remercie ici, Mustafa Brahimi, Hassan Agnaou, Hicham Berri, Fatima Gouima et bien d'autres, la fameuse taxe, et le Maroc a été un des rares pays au monde, je vous le montre, le Maroc a été un des rares pays au monde qui a imposé une taxe soda lorsque vous dépassez un certain nombre de niveaux. Pourquoi? Tout simplement pour protéger la santé des Marocains et des Marocaines, et surtout de la future génération, c'est-à-dire des enfants, parce que vous le savez, 10% quand même donc des enfants sont quand même en surpoids, voire obèses. Et nous avons également, et là aussi grâce aux gens présents dans cette salle, et d'autres qui ne sont pas là malheureusement, dont mon ami Hassan Agnaou, le Maroc a travaillé sur également le Nutri-Score, qui joue un rôle extrêmement important, c'est-à-dire pour pouvoir conseiller donc la population sur les achats, car malheureusement, beaucoup de personnes qui font leurs achats, et il faut commencer par là avant de devenir diabétique ou obèse, nous avons un mode de vie, nous avons un comportement de vie, et nous avons un comportement nutritionnel. Et il faut absolument que notre politique d'achat, lorsque nous nous comportons à l'acheter, les hommes et les femmes, bien sûr les femmes le font plus souvent, mais il faut que nous puissions lire les étiquettes nutritionnelles et jouer un rôle important. Et peut-être que le Nutri-Score, quand ce qui sera totalement accepté au Maroc, eh bien, jouera un rôle extrêmement important. Et pour terminer, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps, quand vous voyez nutrition, alimentation et également l'ADN, quand vous voyez de l'ADN et vous voyez de la nutrition, quelqu'un qui a la nutrition dans son ADN, et je voudrais le remercier aujourd'hui parce qu'il n'est pas avec nous, qui est un grand ami, qui est un frère à beaucoup de nous tous, il n'est pas là, il aurait voulu être avec nous, mais pour des raisons importantes, il n'est pas là, et je voudrais profiter devant vous de le saluer et de le remercier, comme je vous remercie tous, et vous avez tous deviné qui c'est. Il arrive tout doucement, tranquillement, mais il a la nutrition dans son cœur et dans son ADN. Merci beaucoup. C'est Hassan Agnaou, bien sûr, que vous avez reconnu.